mangrove si long, né en pleine vie, Saint-Paul pleine vie. Il formait quelques années de cela et nous avons une centaine de membres. Et c'est Madame Tintin qui est responsable de ce groupe-là. Nos activités dans Saint-Paul plein théâtre, nous avons un groupe de prière, celle le mardi à midi et le mercredi à 11h. Et nous faisons un outing pour nous aider. Nous allons aussi visiter les malades. Et nous avons un groupe qui s'appelle Loving and Caring. Dans un groupe-là même, nous discutons qui a besoin, ça va du monde qui a le besoin là. C'est là que nous discutons. Le groupe Sillon Arakwa, la paroisse de Saint-Paul, a commencé quelques mois après notre rencontre avec le Monseigneur Yann Ernest au Bishop House à Phoenix. Quelques mois après. Et puis, après le départ de Nadège, j'ai pris la présidence pour le groupe. C'était toujours au Sillon. Mais après notre enregistrement avec le gouvernement, il a fallu trouver un nom pour notre groupe. C'est là que Agapé est arrivé. On a choisi le nom d'Agapé. Et après quelques temps, bien, là ça continue. On a eu notre programme d'activité, de toutes les activités qui se passaient à l'église, dans notre groupe. Nous avons plusieurs activités comme des sorties, des rencontres avec d'autres personnes, d'autres groupes de troisième âge, et puis ça, nous faisons des fundraising et même des tombolas, c'est ça, comme tombolas. Même on arrivait à faire un petit biwayo, comme on appelle, bring your own, avec qu'on se faisait payer. À ce moment-là, on a un petit fonds qu'on peut aider pour la paroisse. Et ça continue comme ça, mais malheureusement, avec Covid maintenant, ça n'a pas duré. Ça ne marche pas convenablement, mais on est toujours là. Nous avons notre retraite pour Agapé. Nous avons notre dimanche qu'on anime la messe. Et puis, nous avons des sorties, nous avons des visites qu'on fait ailleurs. Ce n'est pas simplement chez les personnes âgées, mais un peu dans l'île Maurice. On va visiter certaines usines, on va ou à l'aquarium, on va à la mer, on va déjeuner des fois au restaurant. Et c'est comme ça, on met la paroisse et certaines activités qu'on fait en dehors de la paroisse aussi. Ben, ça continue comme ça, mais on est content, on est satisfait de ce qu'on fait. On prend plaisir à ce qu'on fait pour l'église aussi. Et notre fundraising, c'est pour aider notre paroisse. Des fois, ça arrive qu'on fait certaines choses, comme la vente du thé, le gâteau, on fait tomber là, on fait toutes sortes de choses. Et puis ça, nous avons des récréations en nous-mêmes. On fait, comment on appelle ça? Bring and share. Oui. Chaque membre, on prépare quelque chose, on apporte dans le hall, et puis ça, on partage.